suis très ravi d'être là ce soir. Donc, nous sommes le 12 mai à Casablanca, au Technoparc. Donc, on vient d'assister à cette très très belle finale Startupper by Total Energy, donc, qui s'est déroulée depuis le mois d'octobre pour finir, pour se terminer aujourd'hui. Donc, 32 pays en Afrique. Donc, dans chaque pays, il y a eu 15 finalistes. Parmi un millier de dossiers, par exemple au Maroc, 1000 dossiers, 365 dossiers présélectionnés, 15 finalistes pardon, et 3 gagnants aujourd'hui. Donc je suis très heureux de, avec les membres du jury qui nous ont accompagnés, de remettre l'échec aux gagnants, mais aussi un pack d'accompagnement à la CFCIM, au cluster de la CFCIM, pour aider ces jeunes à devenir des vrais entrepreneurs. Donc nous avons primé 3 jeunes femmes, donc les femmes étaient très très représentées, 12 candidates sur 15 et qui représentent 9 régions du Maroc. Alors ce challenge Startupper par Total Energy est très important pour nous. Comme je le disais, ça s'est déroulé sous cette édition, 3e édition, dans 32 pays d'Afrique. C'est important pour nous de donner du sens, d'aider les jeunes à entreprendre, leur donner envie de créer leur propre entreprise et puis de concrétiser leurs idées. Ça fait partie de notre rôle en tant qu'opérateur économique mais aussi social, d'apporter des solutions aux pays qui nous accueillent et en Afrique en particulier. Je rappelle que Total Energy en Afrique est présente depuis à peu près 100 ans, au Maroc depuis 95 ans, que nous générons pas mal d'emplois directs et indirects. Et je pense, encore une fois, on doit nous remettre en cause. Donc 95 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, c'est une entreprise bien gérée. Deux, il y a eu énormément de successions de générations de dirigeants et donc l'histoire continue. Et puis nous-mêmes, on doit nous réinventer pour pouvoir exister dans encore 95 ans. Et je pense que le fait d'être en contact avec des jeunes qui sont innovants, créatifs, mais aussi avec cet environnement de cluster, d'incubateur, ça nous permet aussi de nous benchmarker, de pousser nos idées et puis d'apprendre des autres. Mon projet, en fait, c'est une unité de production d'un substitut écologique du bois de forêt par biais de recyclage des grignons et des margines résultant de la trituration d'huile d'olive. Alors, je suis très heureuse, mais aussi très surprise. Les 15 projets finalistes ont été tous excellents, mais c'est le mien qui a été retenu dans la catégorie start-up, de moins de 3 ans. C'est une bonne occasion pour l'échange et se réunir avec les autres entrepreneurs et les autres experts et les autres mentors pour échanger les informations. Je suis la représentante de la start-up Newood. Newood est une start-up qui travaille sur le recyclage des déchets de noix et d'amandes afin de produire un matériau 100% écologique biodégradable qui va remplacer le bois et le NDF. En fait, je suis vraiment très heureuse et fière d'être sélectionnée parmi les 3 gagnants. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe Newood pour leur travail durant cette année. Je remercie également Total Energy pour ce challenge. C'était vraiment être gagnante, c'est une fierté pour moi. TEDWER est une coopérative familiale, donc nous sommes une équipe de 5 adhérentes et adhérents. Et nous sommes spécialisés pour l'instant sur le recyclage des restes alimentaires pour les transformer en pet food nature et sain pour chiens et chats. C'est donc une solution qui protège l'environnement et qui répond à un vrai besoin chez les particuliers et les vétérinaires et qui permet aussi de réduire nos importations industrielles de pet food. C'était une expérience magnifique donc, pour moi parce que c'est ma première expérience. Donc nous étions à l'origine 1000 projets. Après, nous devenons 15 projets et maintenant je suis parmi les gagnantes, les premières gagnantes. Donc vraiment, ce prix va nous permettre de faire connaître notre projet. Et je vous remercie Total Energy pour ce challenge et un grand merci aux membres du jury qui ont crié dans notre projet.